Good morgen, allez, Iden, le sucre aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Mincha, Ben Masouda, Rivka, Bat, Levi, Trak, Avram, Chaynor, Ben Fortune, Mazal, Domen, Yudit, Nissan, Ben Mafret, si vous souhaitez aussi de une prochaine étude de Mishnah, quand il est 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Midot, Perek, Dalet, Mishnah, Aleph, Pitro, Shel, Hechal, Govo, Esrim, Ama, Verochbo, Eser, Amot, Verba, de la Tota, Yulo, Shtaim, Bifnim, Ushtaim, Bachutz, Shenemar, Ushtaim, de la Tot, La Hechal, Vela Kodesh, Achilsonot, Niftachot, Letor, Hapetach, Lechasot, Ovio, Shel, Kotel, והפנימיות נפתחות לתוך הבית. לחסות אחר הדלתות, שכל הבית תתוח בזהב, חוץ מאחר הדלתות. רבי יהודה אומר, בתוך הפתח היו עומדות, כמין הצטרמיתה היו, ונקפלות לאחוריהם. אלו שתי אמות ומחצה, ואלו שתי אמות ומחצה, חצי אמה מזוזה מכאן וחצי אמה מזוזה מכאן, שנאמר, ושתיים דלתות לדלתות, שתיים מוסבות דלתות. Shtaim le delet achat, ou shtaim le tot la acheret. Depuis le début du perek, du troisième perek, on a commencé à entrer dans par le char à Mizrach, la porte qui était à l'est. On a découvert le misbéar, les tabaot, les nanasim. Après, on a expliqué un petit peu ce qui se passait entre le misbéar et le echal, les escaliers, le kior. Et puis après, dans la mishnah précédente, qui était la dernière mishnah du troisième perek, on est entré dans le houlam, on a parlé des chaînes d'or qui descendaient du toit. Et puis à présent, on continue notre avancée dans le Echal. Le Echal, le sanctuaire. Comme vous pouvez voir dans le dessin, vous l'avez dans le PDF, la page du milieu, on voit qu'il y a ici deux paires de portes. Quatre portes en tout. D'accord? Le but de notre Mishnah va être de nous préciser exactement comment étaient ces portes. Et la Mishnah commence à me dire, Petro Shel Echal, la porte du Echal. Donc je sais pas, je pense qu'on dit le sanctuaire. Govho Esrim Ama Verochbo Eser Amot. Sa hauteur était de 20 Ama et sa largeur était de 10 Ama, comme toutes les portes du Beth Amikdash, à l'exception de la porte du Olam qui était deux fois plus haute et deux fois plus large. Et la Mishnah continue en me disant Ve Arba de la Tota Yulo, il y avait quatre portes. Shtaim Bifnim ou Shtaim Bachutz. Deux internes et deux externes. Deux qui s'ouvraient, les deux s'ouvraient dans le même sens. Donc en fait, je vous explique le principe tout de suite. Il va y avoir deux portes qui vont s'ouvrir, qui vont remplir la largeur du mur, qui faisait 6 amas. D'accord? Une amas, c'est, disons, 50 cm. Donc il y avait un mur qui faisait 3 mètres de largeur. D'accord? C'était très haut, le Beth Amikdash. Il y avait, je crois, 50 amas. Eh bien, il y avait. On découvrira exactement la hauteur. Mais en tout cas. Donc, pour pouvoir soutenir des murs pareils, des plafonds pareils, il fallait des murs très épais, qui faisaient 6 amas. On découvrira dans le prochain Mishnayot comment est exploité ces 6 amas, ce n'était pas des blocs pleins. Mais pour le moment, on continue. Donc il y avait une largeur de 6 amas. Et en fait, le principe est très simple. On va ouvrir deux portes qui vont recouvrir toute la largeur, les deux portes externes, on va les ouvrir à l'intérieur, ça va recouvrir toute la largeur de toute l'épaisseur du mur, et les deux portes internes du Echal, on va les ouvrir complètement à chacune 180 degrés, de manière à ce qu'elle va maintenant recouvrir les volets, les canafs, je ne sais pas comment en français, les épaules, ça n'a pas de sens, les ailes, bon, qui vont recouvrir les deux murs qui sont là, d'accord? Ouais, les deux petits murets, il y avait aussi 6 amas, 6 amas, donc c'est parfait, tout était calculé sur mesure, on ouvre les deux, ça recouvre la largeur, on ouvre les deux autres, et ça recouvre aussi toute la partie qui arrive jusqu'au mur. Et la Mishnah me dit comme ça, donc, Achitzonot niftachot letocha petach, lechasot ovio shel kotel, les deux portes externes sont ouvertes dans le halal, dans l'espace de la porte, lechasot ovio shel kotel, afin de recouvrir la largeur du mur, d'apnimiyot niftachot letocha bait, et les portes internes étaient ouvertes à l'intérieur du Echal, les chassot achar de la tot pour recouvrir la partie qui était derrière les portes. Pourquoi c'était tellement important de recouvrir cette partie-là? Chez Kol Abeit Tuach Bazahav, car tout le Echal, il était entièrement, les murs étaient entièrement recouverts d'or. Chutz me'achar de la tot, à l'exception de derrière les deux portes, puisque les portes aussi, elles étaient recouvertes d'or, elles étaient en or, non, recouvertes d'or, je crois, pas en or elles-mêmes, recouvertes d'or. Puisque c'était un recouvert d'or, donc on les ouvrait complètement, puis se recouvrait. Pourquoi dépenser de l'or pour rien?
On aura une petite remarque très sympathique, j'espère que je n'ai pas oublié de le dire, le Beit Shaoul, mais pour le moment, je ne perds pas le fil de la Mishnah et je continue. D'accord, c'est clair? Donc en fait, le Echal, entièrement, tout est en or, plaqué or sur tous les murs. Il y a, et donc les deux portes qui sont aussi recouvertes en or, au lieu d'avoir mis de l'or pour rien sur des murs alors que personne ne va jamais voir s'il y avait de l'or ou il n'y avait pas de l'or, eh bien nous, les portes, on recouvre tout et tout a l'air recouvert d'or à 100%. Tel est l'avis de Tanakama, du premier avis de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, non, ça se passait pas comme ça. Les quatre portes, elles s'ouvraient toutes dans le même espace de l'épaisseur du mur. Il y a un problème là, puisqu'on a 20, on a 10 de large, donc ça veut dire que chaque porte, elle fait 5 amas. Donc les deux portes, une qui est le volet externe, en l'occurrence, externe quand on va l'ouvrir à l'intérieur, quand on va vouloir rapporter l'autre porte dessus, elles vont se cogner, il y a un problème technique. Comment est-ce qu'on va faire? Alors le Rabbi Yehuda nous enseigne comme ça. Betoch à l'intérieur de l'espace du mur, de l'épaisseur du mur, eh bien, elles s'ouvraient. Ou hayu, elles étaient faites en fait comme une itstramita. Alors, je sais pas c'est quoi une itstramita. Ça en veut dire, c'est tout simplement, c'est des portes en accordéon. Vous l'avez dans le dessin, dans le PDF. J'ai pas fait le calcul pour vous dire comment, à quelle page ce sera exactement, mais c'est très simple. Je vais vous le montrer le dessin. Il y a d'abord, apprenez à lire le PDF. Il y a marqué en haut de chaque Mishnah. Il y a marqué ici, Perek Dalet, Mishnah Aleph. C'est là le dessin qui m'intéresse. Ils vous ont illustré un petit peu une vue de l'intérieur des fameuses portes qui se pliaient. Comme vous le voyez, elles se plient. Et donc, en fait, on se retrouve en fait avec les quatre portes qui sont en réalité, si je peux dire, huit portes. Chaque porte, en fait, elle est double. Elle se replie sur elle-même. Elle se plie comme ça. Donc, en fait, une, elle se plie comme ça. L'autre, elle se plie vers l'intérieur, on la replie aussi dans le même sens. Donc en fait, il s'avère que on a recouvert toute l'épaisseur du mur avec ces deux portes. Avec les deux portes, l'interne et l'externe, qui étaient chacune pliées sur elle-même. Donc voilà. Et chez Kolabait Tuach Baza, non, Rabbi Yehuda Omer, donc Betoch HaPetach HaYomdot, à l'intérieur de l'espace de la porte, elles se retrouvaient toutes. Kemin Itztramita Ayu, elles étaient comme une Itztramita. D'accord? Une porte en accordéon qui se replie sur elle-même. Et elles se repliaient vers leur derrière, leur face externe. C'est-à-dire qu'en fait, la porte, si moi je suis à l'extérieur et je veux ouvrir cette porte double, eh bien je vais la replier comme ça sur elle-même et je la mets sur le côté. Elou shte amot ou mechetza, ve elou shte amot ou mechetza. Donc, on a elou shte amot ou mechetza, celle-ci. Les portes internes ou externes, ça change un problème, vont remplir deux amas et demi, et les autres vont remplir aussi deux amas et demi. Or, on avait dit qu'il y avait 6 amas d'espace, et eh bien tu rajoutes chassi amas mezouza mikan, chassi amas mezouza mikan, tu rajoutes à part ça, comment avec 5 tu vas remplir 6? Ben réellement, non, il manque encore une amas entière, que tu vas couper moitié-moitié, une partie va être couverte par le linteau, comment dire, le gond, le linteau. Le poteau de chacune des portes, comme ça chacune va faire une demi-amas, et comme ça le compte est bon, on a atteint les 6 amas. Chez Nehemar, comme nous dit le pasouk, comme ça on interprète le pasouk, Ushtaim dlatot, la dlatot. Il y avait deux portes en guise de porte. Ushtaim musabot dlatot. Les deux se. Musabot, ça veut dire qu'elles se tournaient, elles se pliaient les portes. Shtaim le delet achat, deux pour chacune des portes, ou shtaim le delet acheret, la acheret, et deux pour les deux autres portes. C'est Rabbi Houdan en réalité, j'ai eu un grand problème. C'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que Chachamim, ils vont interpréter ce pasouk? J'ai ouvert le pasouk de Yechezkel, il s'avère que tout le monde, personne n'a expliqué les psoukim selon Chachamim. Le sens simple des psoukim, il me dit, je vais t'expliquer en fait les deux paires de portes qu'il y avait, ou shtaim delatot le delatot, et les deux paires de portes pour en guise de porte, d'accord, les deux rangées de portes, shtaim musabot. Les deux se tournaient de la tote. Les deux étaient des portes qui se tournaient, qui se repliaient. Shtaim, les delatachat, il y avait en fait deux portes pour une porte. C'est-à-dire chaque morceau de porte, eh ben, il était en fait découpé en deux qui se repliaient sur lui-même. Shtaim, les delatachat, chacune des portes, elle était avec deux planches qui se repliaient sur elle-même. Le pasouk, concrètement, il va selon Rabbi Yehuda. Le seul qui rapporte une petite qui soulève le problème, comment Chachamim vont expliquer le pasouk, c'est le Malbim dans Yechezkel, Perek Mem Aleph, qui explique en fait que
Réellement, le sens du pasouk au sens simple, il est comme Rabbi Yehuda, il n'y a pas de doute. Seulement, le Beth Amikdash que Yechezkel décrit, c'était le troisième Beth Amikdash que Rabbi Yehuda. Mais ce n'est pas le deuxième Beth Amikdash, parce que le deuxième Beth Amikdash, ça se passait comme précédemment. Voilà pour la Mishnah, on a tout expliqué, tout va très bien. Une remarque super intéressante du Beth Shaoul, qui est une question générale. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire quelque chose de beau quand on veut construire un beau binyan? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire beau là où personne ne le verra de toute façon? Ouais, c'est le même principe. C'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'en fait, on voulait que le binyan du Beth Amikdash soit méfoar au possible, il soit splendide. Et donc on t'a dit, mais recouvre les murs en or, ce qu'il y a de plus cher, de plus beau. Maintenant, s'il y a un endroit où de toute façon personne ne va voir, est-ce qu'il y a de l'or ou il n'y a pas de l'or derrière le fauteuil, est-ce qu'il y a de l'or ou il n'y a pas de l'or, qu'est-ce que ça peut faire? Et alors, est-ce que dans la bonne, comment dire, dans la bonne conduite à adopter, quelqu'un qui veut faire quelque chose de splendide, il va se soucier de mettre de l'or même là où ça ne se voit pas? Parce qu'il faut que ce soit classe. Ou bien non, pourquoi? S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Et bien, c'est la seule question que soulève le Beth Shaoul. La Mishnah m'enseigne que, puisqu'il n'y avait pas d'intérêt à mettre de l'or, et bien on ne mettait pas d'or derrière. Mais il soulève qu'en réalité, non. Au premier Beth Amikdash, il a trouvé un midrash dans Shirashirim, à la Passouk, Amudavasachesef. Et là-bas, il y a Rabbi Yehuda qui a dit que dans le premier binyan du Beth Amikdash, il y avait réellement de l'or même derrière les portes. Je ne sais pas pourquoi au deuxième Beth Amikdash ils ont radiné, peut-être parce qu'en fait ils étaient beaucoup plus pauvres quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, donc pourquoi faire dépenser de l'argent pour rien, probablement. Et voilà, il ne propose pas d'interprétation, mais en tout cas c'était un sujet assez intéressant. Est-ce que la mise à de Zekeli Van Veu se rapporte en fait même sur les choses qu'on ne va pas voir ou pas? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.